commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On a encore de belles nouveautés sur notre Google Home et maintenant pour tout le monde et pour tous les pays. Alors je voulais vous présenter cette petite vidéo sur notre Google Home préféré car ces nouvelles applications sont plutôt pas mal. On a des jeux, on a pour le transport et une nouvelle application pour la télé. Donc franchement, je trouve ça vraiment génial, toutes ces nouvelles applications qui tombent comme ça au jour le jour. Et c'est pour cela que je vous les fais toujours en présentation. Merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Montrez-moi ça en mettant un like, en partageant et en vous abonnant. C'est parti donc pour la suite de la vidéo. Alors tout de suite, on va demander à notre Google Home. Salut, comment allez-vous tous les abonnés de la chaîne Vision Hightech? Et surtout, pensez bien à vous abonner, ça sera super sympa de votre part. On est parti donc pour la vidéo. On va demander à notre Google Home de parler avec Bruxelles Transport. Ok, je vous mets en contact avec Bruxelles Transport. Quel est l'arrêt? Louise. Quelle est la direction? Louise, Louisa. Le temps d'attente de votre transport à l'arrêt Louise en direction de Louise est de 34 minutes. Le prochain est dans 55 minutes. Voilà donc un grand coucou à tous les Belges qui vont voir cette vidéo. J'ai pensé à vous lorsque j'ai vu cette application tomber. D'ailleurs, un grand coucou à Philippe, à Vincent, des abonnés que je connais très bien. Je vous souhaite donc bien le bonjour et j'espère que cette application vous aidera. Et j'espère que cette application vous aidera à circuler sans problème sur Bruxelles. On continue notre petit tour d'application nouvelle sur notre Google Home. Et on va demander à notre Google Home de parler avec TV Programme. Ok, je vous mets en contact avec TV Programme. Bonjour et bienvenue sur tv-programme.com. Vous pouvez me poser des questions sur le programme télé, je vous écoute. Programme de télé ce soir sur France 2. Voici le programme de France 2 le soir du lundi 14 mai. À 21h, il y aura une série intitulée Risoli et Hill. À 22h25, il y aura une série intitulée Risoli et Hill. Désirez-vous autre chose? Sur W9. Voici le programme de W9 le soir du lundi 14 mai. À 21h, il y aura un film intitulé Nos étoiles contraires. À 23h20, il y aura un film intitulé Joséphine. Désirez-vous autre chose? Quel est le programme mercredi prochain sur France 3? Voici le programme de France 3 le soir du mercredi 16 mai. À 20h55, il y aura un magazine intitulé Des racines et des ailes. À 23h25, il y aura un magazine intitulé Avenue de l'Europe, le MAG. Désirez-vous autre chose? Non, merci. Très bien, à bientôt j'espère sur tv-programme.com. Voilà donc, cette application est toute nouvelle par rapport à l'application Téléstar que j'avais présentée il n'y a pas très longtemps. Mais elle est très intéressante car on peut vraiment avoir le programme du soir ou de la journée. On peut demander à notre Google Home d'avoir le programme de la télé. Ça, c'est super génial. Allez donc, on part sur la troisième et la petite dernière. Un petit jeu pour terminer. On va demander à notre Google Home de parler avec deviner la devise. Très bien, je vous mets en relation avec deviner la devise. Quel plaisir de vous retrouver pour jouer quiz de culture générale amusant. Ok, on y va. Première question. Quelle est la devise des Fidji? Fidji dollar ou Egyptian pound? Fidji dollar. Absolument. Et voici la question 2. Quelle est la monnaie de l'Estonie? Estonian kron ou Namibia dollar? L'Estonie kron. Oui, c'est bien ça. Joli. On continue. Que dites-vous de celle-ci? Quelle est la monnaie de la Chine? Deutsche Mark ou Renminbi Yuan? Renminbi Yuan. Et c'est une bonne réponse. Attention, c'est votre dernière question. Quelle est la monnaie de la Polynésie française? US dollar ou CFP franc? CFP franc.
C'est tout à fait exact. Et nous voilà arrivés en fin de partie. Allons voir vos résultats. Chapeau bas, vous avez trouvé les quatre réponses. C'est un sans faute. Est-ce qu'on peut rejouer? Dites, s'il vous plaît. Non, merci. C'était génial, j'ai adoré. Vous aussi, j'espère. Au revoir. Super, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, sur ces trois nouvelles applications, j'ai vraiment aimé vous faire cette vidéo. J'espère que vous allez les tester et me mettre en commentaire ce que vous avez pensé. On est donc sur Bruxelles Transport, sur une nouvelle application TV Programme et sur la toute dernière application Je Quiz, qui est donc parler avec Devinez la devise. Merci à vous et surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine, car une multitude de vidéos sur le Google Home se trouve sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à aller les voir. Et je vous dis donc un grand salut à tous et à bientôt. Ciao, ciao.